Bonjour à vous qui êtes réunis ici à l'oratoire et à vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Sel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La messe est offerte par Madame Brigitte Majot pour le repos de l'âme de Madame Simone Lavallée. Devant les difficultés que nous avons à respecter les autres, implorons la miséricorde du Seigneur. Seigneur Jésus, avec les personnes vivant des situations particulières, tu te montres miséricordieux, prends pitié de nous. Ô Christ, avec nos jugements erronés, tu te fais patient, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, devant le mensonge qui nous habite, tu apportes la vérité, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui nous comble de bénédictions par la richesse infinie de ta grâce, fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir. Fais-nous entrer dans ce qui est nouveau et nous serons préparés à la gloire du royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, le peuple venait de condamner à mort Suzanne. Alors elle cria d'une voix forte, « Dieu éternel, toi qui pénètres les secrets, toi qui connais toutes choses avant qu'elles n'arrivent, tu sais qu'ils ont porté contre moi un faux témoignage. » Voici que je vais mourir sans avoir rien fait de tout ce que leur méchanceté a imaginé contre moi. Le Seigneur entendit sa voix. Comme on la conduisait à la mort, Dieu éveilla l'esprit de sainteté chez un tout jeune garçon nommé Daniel, qui se mit à crier d'une voix forte, « Je suis innocent de la mort de cette femme. » Tout le peuple se tourna vers lui et on lui demanda, « Que signifie cette parole que tu as prononcée ?» Alors, debout au milieu du peuple, il leur dit, « Fils d'Israël, vous êtes donc fous. Sans interrogatoire, sans recherche de la vérité, vous avez condamné une fille d'Israël. Revenez au tribunal, car ces gens-là ont porté contre elle un faux témoignage. » Tout le peuple revint donc en hâte, et le collège des anciens dit à Daniel, « Viens siéger au milieu de nous et donne-nous des explications, car Dieu a déjà fait de toi un ancien. » Et Daniel leur dit, « Séparez-les bien l'un de l'autre, je vais les interroger. » Quand on les eut séparés, Daniel appela le premier et lui dit, « Toi qui as vieilli dans le mal, tu portes maintenant le poids des péchés que tu as commis autrefois en jugeant injustement. Tu condamnais les innocents et tu acquittais les coupables, alors que le Seigneur a dit, « Tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste. » Eh bien, si réellement tu as vu cette femme, dis-nous sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre. » Il répondit, « Sous un sycomore. » Daniel dit, « Voilà maintenant un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu a reçu un ordre de Dieu et il va te mettre à mort. » Daniel le renvoya, fit amener l'autre et lui dit, «
Tu es de la race de Canaan et non de Juda. La beauté t'a dévoyé et le désir a perverti ton cœur. C'est ainsi que vous traitiez les filles d'Israël, et par crainte, elles se donnaient à vous. Mais une fille de Juda ne put consentir à votre crime. Dis-moi donc sous quel arbre tu les as vues se donner l'un à l'autre. Il répondit, « Sous un châtaignier ». Daniel lui dit, « Toi aussi, voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu attend l'épée à la main pour te châtier et vous faire exterminer. » Alors toute l'assemblée poussa une grande clameur et bénit Dieu qui sauve ceux qui espèrent en lui. Puis elle se retourna contre les deux anciens que Daniel avait convaincus de faux témoignages par leur propre bouche. Conformément à la loi de Moïse, on leur fit subir la peine que leur méchanceté avait imaginée contre leur prochain. On les mit à mort. Et ce jour-là, une vie innocente fut épargnée. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Thank you.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu ?» Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qui soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs de la foi, chers pèlerins, nous venons d'entendre Jésus dire à la femme qu'on voulait lapider, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Nous constatons souvent que les jugements sur les autres sont une arme de destruction massive, pourrait-on dire. Parfois, nous avons sur les autres des regards qui tuent plutôt que des regards qui font vivre. Jésus a fait l'expérience d'être mal compris et jugé faussement. On l'accuse de ne pas être un fidèle observateur de la loi quand il guérit un paralysé ou un aveugle le jour du sabbat. On prétend qu'il est de connivence avec le chef des démons quand il exorcise les possédés. On le traite de glouton et d'ivrogne quand il dit qu'il ne faut pas jeûner en présence de l'époux aux noces et qu'il annonce le pardon de Dieu aux pécheurs publics que Jésus fréquente et avec lesquels il mange. Des pharisiens refusent son témoignage selon lequel il vient de Dieu le Père. Toutes ces fausses interprétations l'ont conduit à la mort. C'est ce qui aurait pu arriver à Suzanne, dont il était question dans la première lecture, si le Seigneur n'avait inspiré au jeune Daniel à crier devant tous l'innocence de cette femme. En effet, cette Suzanne, qui était une belle femme, mariée à un homme riche, servait Dieu en respectant sa loi, refusant les avances de deux vieillards qui deviendront ses juges. Elle est condamnée à mort malgré son innocence. On peut constater jusqu'où va la spirale de la convoitise et des jugements pernicieux. C'est là que nous constatons que Dieu voit le fond des cœurs bien au-delà des jugements humains. Il répond à la prière de Suzanne en donnant au jeune Daniel la lumière qui lui permet de déjouer la ruse des deux vieillards. On a pu constater comme il est habile, ce jeune homme, Daniel, en dénonçant leur mensonge à tous deux.
et ainsi il sauve Suzanne d'une mort certaine. Quant à Jésus, conduit au crucifiement par les autorités religieuses et civiles, Dieu le ressuscitera, le rendant victorieux de la mort et du péché. Jésus ne jugeait pas les gens, pas même ses dénonciateurs et ses persécuteurs. Il se contentait d'aimer. Seigneur de la critique destructrice, éloigne-moi. Du jugement négatif, débarrasse-moi. De la condamnation meurtrière, délivre-moi. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, cette grâce qu'au moment de célébrer l'Eucharistie, les renoncements imposés à notre corps nous permettent de nous présenter devant toi avec un cœur purifié par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Pour le Christ qui se fait miséricorde envers tous et toutes, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Qui est vraiment saint,
Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, nos évêques Christian, Thomas, Alain et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Jésus ne juge personne. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Déjà fortifié par cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur, que ta grâce nous purifie de nos penchants mauvais et nous aide à marcher vers toi en suivant joyeusement le Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, soyez porteurs et porteuses de l'amour qui ne juge pas. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée.